Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui n'était pas du tout prévue. Donc je suis debout depuis 7h30 parce que ça y est, on part à la mer. Donc certains vont dire, mais attends, c'est rien. Ben si, c'est un truc de ouf. Depuis l'été dernier, on n'a pas été à la mer. Sachant que normalement, vers début mai, on commence à y aller. Et là, bon voilà, on est en confinement et tout. Mais ça y est, on n'est plus en confinement du tout. Je vous avoue qu'en temps de confinement, déconfinement, stade 1, stade 2. Ça commence, j'en ai plein la tête. Je pense qu'on est comme beaucoup, on aimerait juste reprendre nos habitudes, mais nos habitudes avec précaution. Voilà, j'ai prévu des masques, j'ai prévu plein de choses, donc je vais vous faire voir ça et on va dans un endroit où il n'y a personne. Donc là, on a 2 heures de route parce que comme tout le monde, nous, on était en zone rouge et on ne pouvait pas faire plus de 100 km. Donc on ne pouvait pas atteindre les côtes du nord. Donc là, maintenant, on peut, on va aller faire un petit tour. J'ai prévu le sac de plage et tout. Je me suis renseignée, les plages sont ouvertes, sachant que nous, on ne va pas sur une plage où il y a tout le monde, en fait, où tout le monde fait bronzette. On va vraiment dans des dunes où il n'y a personne. Donc c'est pour ça que je me permets d'aller à la mer aussi et d'emmener les enfants. Sachant que je ne sais pas, on est en pleine semaine, est-ce qu'il y aura du monde ou pas? Est-ce que tout le monde va partir? Donc là, je vous fais voir un peu ce que j'ai préparé. Donc là, j'ai le parasol, le sac de serviettes, hein, famille nombreuse, il est rempli. Et j'en ai acheté à Action, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Le sac de plage, Maddy d'Action, tout vient d'Action quand je regarde, c'est un truc de ouf. Le sac, les plages, les jeux pas de patrouille. Ça aussi, il me semble que c'était Action. La glacière pour l'eau, une deuxième glacière. Donc là, on va prendre des sandwichs, hein, parce que je sais que je crois que les restaurants réouvrent, mais perso, nous, on fait sandwich le midi au bord de la mer, on est tranquille. Donc là, je vais mettre tout dedans. Alors, je vais prendre ça, un peu de mayo, parce qu'ils mettent de la mayo dans leur sandwich, du blanc de poulet fumé, et qu'est-ce qu'on va prendre aussi? Ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, voilà. J'avais mis à congeler des bouteilles, je vais les mettre dedans, ça va servir de glacière comme ça, pour tenir bien au frais toute la journée. Donc là, Léna l'a fait balader un peu parce que elle va rester à la maison, maminette, elle va rester avec Bilal. Parce qu'il n'a pas trop envie d'aller à la mer, lui, il est pépère à la maison, donc il va s'occuper du chat. Allez, fais la balader un petit peu, dégourdir ses petites pattes. Donc là, je bois mon chocolat et je regarde un peu vos commentaires. Donc souvent, les trois quarts, même, on va dire 95% sont gentils. Donc parfois, il y en a tellement, vous voyez, hein, il y en a beaucoup que j'ai pas répondu. Donc je lis, je mets un cœur, hein, mais je vous lis tous les matins. J'essaye de le faire au max. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vraiment regarder vos messages, mais il y en a énormément. Vous voyez, ça prend du temps, mais c'est toujours très sympathique de voir vos gentils commentaires. Bon, allez, il faut que je me manie un petit peu, là. Donc là, j'ai acheté ça hier à Action, des pelles. Ça, c'est l'épuisette à crevettes, voilà. Si la marée est basse, on aura peut-être des crevettes. J'ai prévu quelques masques. D'abord, il y en a assez pour tout le monde. J'en ai mis aussi dedans, sachant que normalement, on n'en aura pas besoin, à part si je vais dans une boutique, quoi. Mais voilà, on ne sait jamais. Donc là, ce que je vais faire, je vais tirer le siège. Hop. En tirant le siège, j'ai retrouvé ça. Non, mais MDR, il y a du Disney partout dans la baraque. Donc on va le mettre de côté là-bas. Allez, hop. Donc j'ai rempli mes deux glacières. Celle-là, je l'avais eue à Primark. Et celle-là, elle est d'Action. Ouais, il me semble que c'est Action. Et elles tiennent, hein, toutes les deux, ça fait 2-3 ans, donc voilà. Alors, quand vous avez une bagnole cette place, le problème, une fois que vous ouvrez le dernier siège, il n'y a plus de place. Je sais pas si vous êtes comme moi, hein, c'est un 7 places, mais il n'y a pas de coffre, quoi. Sinon, le coffre, c'est ça, quoi. C'est nul, quoi. On est arrivé à la mer, donc tranquille, pas de bouchon. Et là, on s'en va à la friterie. Donc, elle est ouverte. C'est une friterie à Stella Plage. On est tranquille, il n'y a personne. Je vais vous faire voir ça. Donc là, la mer est prête. On va aller voir ça après. Et là, on va à cette friterie-là. Elle est trop bonne. Je vous la conseille à 2000%. Elle est à Stella Plage. C'est des frites du Nord. Des vraies, super bonnes. Donc, voilà, on va voir. Par contre, les boulangeries fermées. Dégoûté. Donc, voilà, on a les marquages au sol. Les chaînes. Donc voilà la mer. Bon là, il y a du vent. Hein. Je pense que vous allez l'entendre dans le micro. Ça souffle. La mer est prête. Elle est en train de reculer. Donc ce qui est plutôt bien, puisque on a pris l'épuisette pour les crevettes. Donc, on va voir un peu dans les dunes s'il y a moins de vent. Parce que là, on a les couvertures, quoi. On se les gèle. Ils ont annoncé 26. Hein. Mais c'est plutôt calme. Hein. Franchement, c'est vide. Donc on a mangé les frites. Les gamins étaient super contents parce que les frites. Hein? Les frites mouvantes, elles sont super bonnes, hein, les frites ici, c'est vraiment les frites typiques du Nord, hein. Si vous voulez aller sur la côte d'Opale, à Stella Plage, elles sont super bonnes. Donc là, on va aller dans les dunes, on s'en va direction le Touquet, il fait un vent glacial, j'ai mis le gilet. Donc je vous laisse, à tout de suite.
Donc en fait, nous on est ici. Hop, on va aller dans les dunes. Là, il n'y a personne. Et là, c'est la plage du Touquet où il y a vraiment du monde. D'habitude, hein. Donc vous voyez vraiment entre là et là. Voilà, là il n'y a personne, c'est nickel. Donc nous on va toujours là, c'est tranquille. Je ne sais pas si vous verrez là, mais c'est du sable mouvant, de la vase. Et souvent il y a des accidents. Donc bien sûr, là on n'a pas le droit d'y aller, hein. Mais c'est horrible. Je vais vous faire voir ça de plus près tout à l'heure. Petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ça y est, on est dans le sable, enfin! Ça fait un an qu'on n'est pas venu, ça fait du bien! Ça fait pas du bien! Ça fait pas du bien? J'ai trop chaud! Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti dehors. Donc là, on marche, c'est la séance cardio. On doit marcher 5 minutes dans le sable. Je vous assure qu'avec le confinement et le fait qu'on n'a pas trop bougé, eh ben, ça fait du sport. Voilà, on est dans les dunes. Donc là pour l'instant il y a un peu de roseau ici, donc on va pas ici, on va plus loin vers la mer. Donc là-bas on voit la mer, ça y est, je suis cuite. On va se poser par là-bas dans les dunes parce qu'il y a du vent. Alors j'ai trouvé cette serviette à Action au rayon maillot de bain, elle est super grande, par contre je la pensais plus large. Mais c'est des serviettes d'Amam, ils disent, mais elle est super bien, quoi. Franchement, j'adore. Donc ça y est, on est posé. Je vais faire un peu la crêpe, me reposer. Donc là, voilà, on est là, tout en haut des dunes. Et il n'y a personne. On est tout seul, tranquillou. Donc voilà la mer du Nord, bon ouais, elle est pas transparente, j'avoue. Mais elle est pas mauvaise, elle est chaude, franchement elle est chaude. Vous voyez là-bas il y a le Touquet. Je sais pas si vous verrez. Il y a l'aqualude. L'aqualude et là il y a tout le monde sur la plage et nous on est tout seul, on est tranquille. Voilà, c'est quand même assez loin. Hein. Là-bas c'est la plage et nous on est tout là dans les dunes tranquillou. Donc là on s'en va au crabe, on va voir s'il y a des petits crabes là-bas. J'ai trop peur. Et là faut faire attention parce que par contre c'est de la vase. Et en plus on a plein de méduses. Attention. Il est où? C'est un bébé. Donc là il y a des phoques, regardez. Ils sont en train de faire la crêpe. Ouais. Donc là, il y a des phoques. Tranquillou. En train de faire bronzette. Je vais vous faire voir. Ils sont assez loin. Hein. Tu boudes? Bon, il y a un petit peu moins de vent, un petit peu. Hein. Donc, comme vous pourrez voir, pour ceux qui connaissent l'aqualude dans le nord, quoi, dans le Pas-de-Calais plutôt, c'est pas prêt de réouvrir. Hein. Franchement, ils ont du boulot, les gars. Et là, on voit qu'il y a du monde. Il y a plus de monde sur les plages, c'est un truc de fou. Donc, là, on se fait une petite balade et après, on va manger sûrement McDo et on rentre. Et oui. Donc voilà, la journée est finie. On a fini par un McDo en plein air. On est derrière le port d'Étaples et franchement, on est bien. On a pris en drive sachant que le McDo était fermé et d'abord on voulait manger en extérieur, comme ça on est tranquille et ça craint un moins, on va dire. Les enfants sont contents. Le beau temps est revenu un peu plus en fin de journée, c'est-à-dire que le vent était quand même moins frais
et on a attrapé des coups de soleil. Je pense que là, les cuisses, ça a chauffé dur. Comme vous avez vu, on a vu des phoques, on est super contents. Les gamins étaient contents aussi, ravis de les avoir vus. Là, je suis envahie de mouettes. Je pense que là, c'est un truc de fou. On va se faire attaquer. Je ne sais pas si vous les verrez. Donc ce vlog est fini, c'était vraiment pour changer d'air, se faire du bien, faire plaisir aux enfants et il n'y avait vraiment pas trop de monde à part un peu sur la digue du Touquet. Mais ça on s'y attendait, c'est pour ça qu'on va jamais sur la plage là-bas, il y a vraiment trop de monde. Pour une première journée en zone verte, c'était quand même très agréable, pas de bouchons, personne. Donc ça fait vraiment du bien. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.